Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va très très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute petite vidéo où je vais vous montrer. Bon, j'ai tout cassé. Trois petites choses que j'ai achetées chez Wish. Alors, donc les trois petites choses qui sont là. J'aurais pu vous en mettre plus. Par exemple, j'ai acheté un rond de lumière là-bas, mais je vous ferai la vidéo avec le pied parce que il est en deux fois en fait. Enfin, il me l'envoie en deux morceaux. Donc je vous montrerai les deux en même temps. Donc c'était emballé dans un petit plastique. Voilà. Donc ça, c'est le tout premier que j'ai reçu. Donc en fait, c'est, vous savez, une lampe à mettre sur le téléphone en fait. Et qui fait de la lumière. Donc là, ouais, vous voyez super bien. La dernière fois que j'ai utilisé, j'ai trouvé que la luminosité, enfin la lumière était pas ouf. Et là, en fait, ça surprend. Donc je pense que les piles devaient être mal enclenchées dedans. Donc voilà, donc c'est avec deux piles. Ils vendent sans les piles, hein. Moi, je les avais mis parce que j'ai testé. Et encore, ce petit truc-là, il y a un petit truc un petit truc comme il y a, vous voyez, un petit truc en fer, un petit peu en ferraille là. Moi de base, il était destroy. Genre, il n'était pas du tout comme ça, il était penché. Donc, j'ai demandé à Wish de me rembourser. Donc, ils m'ont remboursé. Sauf que mon papa, entre-temps, est passé par là et il a réussi à recaler la petite barre qui est derrière là. Il a réussi à la recaler. Donc, pour l'instant, j'en suis servi quelques fois hein, pour tester. Et ça marche plutôt bien. Voilà. Bon, à part la dernière fois que j'ai voulu l'utiliser, comme d'habitude, hein, ça marche. Enfin, la lumière n'était pas aussi forte que ça. Parce que là, elle est beaucoup plus forte que la dernière fois déjà. Donc voilà. Donc, bien à remettre les piles, quitte à en enlever une et à remettre la pile, n'hésitez pas à faire ça. Donc, ça, c'était pareil. C'était pas très cher, 2-3 euros. Voilà. Donc là, j'ai voulu faire une petite commande chez Wish parce que je me suis dit, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de commande chez Wish. Et puis je me suis dit cette petite babiole là, ça peut toujours servir. Et même pour faire des photos parce que maintenant, je vous ai pas montré, mais ma cousine, enfin une de mes cousines, m'a donné un meuble qu'elle n'utilisait plus. Donc regardez bien la coupe de cheveux, hein, voilà, j'ai mis un masque dans les cheveux. Donc elle m'a donné un petit meuble comme ceci. Donc il est très bien, pour l'instant il est vide, il n'y a pas grand chose dedans. Je ne sais pas trop quoi mettre dedans, donc pour l'instant il reste comme ça. Et puis on verra bien. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au-dessus du meuble, en fait, ce que je fais, c'est que je vais prendre des photos. Vous voyez, parce qu'avant, sur mon meuble là, blanc, je prenais les photos dessus. Donc là, je vais pouvoir prendre les photos dessus. J'ai déjà fait une photo de ma box Beautiful... Non, Perche Box. Non, Beautiful Box. Non. Non, Glossy Box. Et ça rendait super bien. Donc là, je vais garder ça à côté, comme ça, au cas où que j'ai besoin de lumière. Ça peut toujours servir. Ensuite, en deuxième, j'ai reçu ceci. Ah, ça colle. Ça, je vais pouvoir mettre les petits papiers à la poubelle en même temps. Parce que je vais garder les papiers hein, pour vous montrer. Donc voilà, donc toujours dans les mêmes papiers. Là, cette fois-ci, il y a des bulles à l'intérieur. Voilà. Donc, alors, je vais vous expliquer un petit peu, parce que du coup, vous allez vous dire, c'est quoi ça? Il y en a qui vont peut-être connaître, il y en a qui vont pas connaître. Ça, c'est pour mettre une mèche pour des bougies. Alors, en fait, si vous voulez, pendant le confinement, j'ai dit, ah ouais, pourquoi pas faire fondre mes... J'ai des... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? J'ai des... Non, en fait, c'est des bougies... Mais en fait, qu'on vous fait sentir en fait, comme des bougies testeurs, quoi. Et en fait, je voulais les faire fondre, ceux que j'avais en double, et les mettre dans des petits pots que je voulais acheter aussi sur Wish. Donc déjà, il y avait ça. Donc ça, c'est pour faire tenir la mèche. Ça, c'était pareil, une babiole, c'était même pas 1 euro, je crois. Donc je dis, bah, tant qu'à faire, autant être équipé. Voilà, pour pouvoir faire tenir la mèche, je me suis dit, tant qu'à faire, hein, au cas où que je fasse des grandes bougies ou autre. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Et ensuite, l'article que j'ai reçu hier, donc toujours dans le même paquet, c'est ceci. Alors, ceci, c'est ces fameuses boîtes que je voulais me servir pour mettre
pour mettre les bougies. Remarque, ça peut le faire parce que c'est creusé. Mais en fait, je verrai. Parce que, mais je pense que ça peut passer. Parce que du coup, je voulais faire des toutes petites bougies comme ça. Pour que vous puissiez, en fait, pour que je puisse en offrir. Pour, vous voyez, pour pouvoir fermer. Hop, vous mettez la petite bougie. Et je voulais fermer, en fait, la bougie. Et pour pouvoir, pour pouvoir tout simplement la réouvrir. Faire allumer la mèche et faire fondre la mèche. Donc ça, il paraît que c'est des pots. J'ai regardé sur Wish spécifiquement. Pour les bougies. Donc voilà, après à voir si ça marche bien, si quand on allume la mèche en dessous ça fond pas et tout le bazar. Mais j'ai de la colle chaude, donc au pire des cas je mettrai la colle chaude dessus et je collerai avec la colle chaude et je mettrai ça par-dessus. En fait, c'est pour ça que je voulais acheter ça. Je mettrai ça par-dessus pour bien faire tenir la mèche, comme ça en fait, pour faire tenir la mèche et pour pas que ça parte dans tous les côtés. Donc voilà, donc je vais tester, je verrai. Et si ça me convient pas, ces petits bocaux là, ils vont finir par, vu que j'en ai 5, vous voyez. Donc ces petits bocaux là, si ça marche pas comme je veux faire, et ils vont terminer en pot de. Bon, je mettrai peut-être pas tout parce que ça va faire beaucoup de crème et tout ça. Mais sinon, ça finira en pot pour tester les produits Joli-moi. Voilà, pourquoi pas, ouais. Écoutez, comme on dit, je recycle tout. Voilà, même les petits pots nocibés, tout ça. Je vais les recycler pour Joli Moi. Hein, c'est pas grave si c'est pas marqué Joli Moi. Ça ne fait rien. Moi, du moment qu'il y a le produit dedans pour que vous puissiez tester, c'est le principal. Donc voilà, il y en a 5. Ça, c'est pareil, j'ai dû payer ça 2-3 euros, même pas 1 euro. Un truc comme ça, enfin voilà. J'avais acheté plusieurs trucs, j'en avais à peu près peut-être pour 20, peut-être une vingtaine d'euros. Donc voilà. Non, plus que 20 euros parce que j'avais le rond de lumière et je me rappelle, il m'a coûté 12 euros. Alors que quelques mois avant, j'ai été dégoûtée parce qu'il valait 1 euro et c'est exactement le même. Donc comment vous dire que je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon, pour 12 euros, j'ai déjà le rond de lumière, donc il est déjà bien. Vous avez déjà vu en vidéo, je l'ai déjà testé. Donc maintenant, j'attends juste le pied pour vous montrer le pied et le rond lumière pour vous montrer tout en même temps. Alors, je ne sais pas si j'ai tout reçu parce qu'à vrai dire, j'avais été sur Wish pour celui-là pour dire que je l'avais reçu. Celui-là, je crois que j'ai même pas été sur Wish pour dire que j'avais reçu. Parce que maintenant, sur Wish, ce qui est bien, ça fait très 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 longtemps que je n'avais pas commandé chez Wish. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux noter le produit et dire si ça va, si ça convient, si ça convient pas, te faire rembourser tout, encore plus facile qu'avant. Donc voilà. Et comme je disais, ça fait très longtemps que je n'ai pas commandé chez Wish. Tout simplement parce que quand vous allez sur des trucs comme ça, Wish, beauté privée, machin, machin, et ben en fait, vu que c'est des petits prix, et ben vous êtes beaucoup plus tenté à prendre, à prendre, à prendre, à prendre, à tester. Et au final, des fois, vous faites avoir. Moi ça va, je ne me suis pas fait souvent avoir, donc ça va. Mais parfois vous faites avoir et puis parfois vous dépensez des sous dans rien, quoi. Genre ça, je sais que j'en avais besoin, mais genre ça et ça, j'en avais pas forcément besoin. C'est parce que pendant le confinement, je voulais faire fondre mes bougies, mais au final, ils sont arrivés un petit peu trop tard. Du coup. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Parce que je vois mon frère, par exemple, il a voulu prendre des petits trucs pour, vous savez, pour percer, là, pour une perceuse, vous savez, les trucs à enclencher dedans. Et au final, ils étaient tout mini comme ça. Alors, cette taille-là, donc, non, donc, par contre, j'ai mis de faire attention parce que des fois, faut lire aussi, hein, même si c'est pas écrit en anglais. Faut quand même lire un minimum et regarder un minimum ce qu'est. Et regarder surtout les photos, les avis des produits. Donc, voilà. Donc, par exemple, pour ces produits-là, en général. Je regarde toujours la photo de quoi ça ressemble. Enfin, ça peut donner une idée de vraiment la taille du produit. Donc voilà. Donc je referai une commande, peut-être pas sur Wish, peut-être sur AliExpress, je pensais, parce que j'aimerais bien tester ce site-là. Mais je vais plutôt prendre mes. Donc pareil, c'est quelque chose que j'ai besoin. Des petits pots pour pouvoir. Pour des échantillons en fait, pour les crèmes et tout ça. Mais
Je vais pas faire la folle non plus. J'irai essayer de trouver dans un magasin, trouver des petits pots. Donc, si vous connaissez un magasin où qui vend des petits pots, genre à peu près cette taille-là, mais genre des 3-4 ml. Donc voilà, donc spécialement pour les crèmes de visage. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez des magasins qui vendent des tout petits pots, genre des pots grandeur comme ça, quoi. Des petits testeurs. Donc, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous pouvez trouver ça. Parce que là, par exemple, à ma première réunion qui sera soit le 13 juin ou le 20 juin, j'ai recyclé des pots de Joli Moi, des pots de chez Nocibé, parce que j'avais eu des pots de chez Nocibé. Et Nocibé, ce qui est bien, c'est qu'ils donnent des pots en verre et, pour tester les produits. Et j'en ai récupéré quelques-uns, mais j'en ai pas des masses non plus. Donc pour pouvoir faire du système client, ça peut être pas mal. Donc voilà. Et malheureusement, chez Joli Moi, ils font pas de petits pots avec le logo Joli Moi. Voilà, donc ils font pas ça. Donc c'est à nous de nous débrouiller. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous savez où je peux trouver des petits pots pour mettre de la crème dedans. Donc voilà. Donc j'espère que ma vidéo Wish vous aura plu. Ça fait un très 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 longtemps que j'avais pas fait de vidéo Wish. J'étais contente parce que du coup, vu que Wish n'arrive pas tout en même temps, genre ça arrive même un mois après. Donc des fois tu te rappelles plus de ce que tu prends. Comme par exemple la dernière fois j'avais fait une vidéo Make-up Revolution, je me rappelais même plus que j'avais commandé là-dessus. Enfin voilà. Moi j'aime bien des fois j'oublie. Donc parfois du coup on est content de recevoir les produits. Et on les attend pas forcément, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche si vous le souhaitez, et à me mettre un petit commentaire car j'y répondrai toujours et ça fait plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.